exactement l'ostéo-kyatsudo. Synthèse entre l'ostéopathie et le shiatsu médical traditionnel japonais, yokai et ko. Tout ça extrêmement sérieux. Je tiens à remercier. Vous êtes un peu stressé, Géraldine, vous êtes un peu Je tiens à remercier Magali James. Vous savez très bien qu'elle. Elle vous montre les pierres, la lithothérapie. Et je vous demande de l'applaudir. Son amie Alexandra, du Pub 77, également. Et pour terminer, ma chère Justine, qui a eu la gentillesse de m'appeler pour me dire si je voulais être un des maillons de Zen in Provence. On l'applaudit. Merci beaucoup. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Marc Boinet. Je suis à Provins 9 bis rue Valentin Abeille en tant que thérapeute manuel et pratiquant d'ostéopathie biomécanique. Formation de base, professeur de culture physique, préparateur physique, réel. Parce que forcément, ce que je vois à droite à gauche ne me fait pas tellement plaisir. Mais ça, c'est autre chose. Deuxièmement, je suis dans le shiatsu médical traditionnel japonais, où j'ai été formé par un monsieur qui s'appelle Kazunori Sasaki, qui a été élève de Masunaga Shizuto. Donc forcément, tout ça, ça ne vous parle pas. Donc je vais vous en parler. Vous voulez que je vous le dise? Ben je vous le dis. Donc, les maîtres qu'il y a eu, forcément, Masunaga, Okuyama, je vais vous en parler, et Tokujiro Namikoshi. D'abord au niveau ostéopathique. L'ostéopathie, forcément, mes chers patients, souvent me disent... C'est français? Pas du tout. Est-ce que vous connaissez l'ostéopathie? Bien sûr, plus ou moins, puisque maintenant, c'est une médecine manuelle qui est de plus en plus amenée en France. Mais forcément, l'ostéopathie n'est pas de la cracothérapie. D'accord? Donc je dis ça simplement pour les gens qui traitent ou manipulent sans faire un diagnostic cohérent. D'accord? Ça peut amener à des problèmes très graves, y compris un ischial. Donc l'ostéopathie a été amenée par un monsieur qui s'appelait Andrew Taylor Steele, vous pouvez prendre après des flyers si vous voulez, à Kirchville dans le Missouri. Un de ses élèves après qui était près de lui, en crânien, qui était William Gardner Sutherland. Voilà. Donc l'ostéopathie, c'est américain, d'accord? Le monsieur qui était à côté de lui, dans tout leur style, c'était monsieur Palmer. Est-ce que vous connaissez Palmer? Il a amené la chiropraxie. Vous connaissez la chiropraxie? Et bien sûr, pourquoi je parle du Japon? Et là, j'avais réfléchi un peu par rapport à la conférence et je me suis dit, l'ostéopathie, forcément, on travaille forcément sur les os, sur la structure, sur les fonctions. Et puis, vous voyez très bien les méridiens. Est-ce que vous connaissez les méridiens? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce que sont des méridiens? D'accord, donc les méridiens souvent me disent c'est des trajets, c'est lié au nerf. On a même été voir d'ailleurs sur des cadavres s'il y avait les méridiens. Or les méridiens, forcément, ça se trouve dans la vie, vous êtes d'accord? Bah oui. Les scientifiques ont dit ras-le-bol de raconter des trucs comme ça, on va aller voir dans les cadavres s'il y a des méridiens. C'est la vérité. Donc les méridiens sont des canaux où circulent du ki, du sang, des liquides organiques.
Donc je vais vous parler d'une médecine manuelle très peu connue, très mal connue. C'est le chiatsu. Le chiatsu, généralement, en France, à 80%, c'est du bien-être, c'est du massage, c'est du confort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, le chiatsu s'inscrit dans la tradition manuelle japonaise et surtout sur une médecine à part entière. Quand j'ai commencé à vraiment étudier le chiatsu très profondément, je m'en suis bien rendu compte, car c'est grâce au chiatsu que je me suis sorti d'une hernie discale qui a failli me coûter pratiquement, j'ai failli aller sur un fauteuil roulant. Et c'est Kazunori Sasaki, qui était un des élèves de Masunaga, qui m'a sorti pendant un stage. Et c'est là que j'ai compris un travail forcément profond au niveau de la lymphe, du sang et tout ça. Progressivement, le chiatsu, il est parti comme nous en France, de côté, et il est arrivé au niveau du confort, d'accord? Les thérapeutes, quand ils ont vu ça au niveau du hama ancien, et qui est devenu après le hama moderne, réservé aux aveugles, avec l'essor des techniques occidentales, chiropraxie, ostéopathie, sétail, rééquilibre du corps, les seppuku, remise en place des articulations déviées, les kwatsu, qui sont des techniques de réanimation d'urgence, ont mis cet axe sous le terme chiatsu, hormis le massage occidental. C'est clair dans votre tête? Donc, messieurs, dames, mes patients, vous le savez très bien, faites ça, les patients, là, ils sont où, mes patients? Ils sont adorables. Madame Ferrand, qui est venue spécialement, qui est une femme que j'aime beaucoup, et croyez-moi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je la retrouve, et elle est très heureuse de ce que j'ai fait sur elle. Elle le disait encore tout à l'heure, je remercie Madame Ferrand. Donc le chiatsu soigne, d'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure à cette brave dame, le chiatsu, forcément, il y a des canaux, d'accord? Vous voyez les canaux? Vous voyez très bien que les canaux, il y a du ki, du sang, des liquides organiques. Alors pour vous briefer un petit peu, parce que je ne vais pas aller trop loin, sinon vous n'allez rien comprendre, et c'est tout à fait normal. Papa et maman s'accouplent. Vous êtes bien accouplés, messieurs, dames. D'accord? Vous avez amené, rappelez-vous, quand le doubounet il est à l'intérieur, quand il va se former, d'accord? Eh bien, spermatozoïde, ovule, d'accord? Il y a une qualité qui va se mettre au niveau du nœud de Hensen. Le nœud de Hensen va être progressivement la future L2, L3. Donc ça, c'est très important, la future L2, L3, parce que c'est la qualité du rein. C'est l'inné de votre personne. Parce que souvent, les gens me disent, ah ben non, j'ai rien au rein. Ah ben non, ça va. Mais manque de chance, messieurs, dames, le rein est extrêmement important. Que ce soit sur la neurologie, que ce soit sur tout l'axe de l'audition, d'accord? Et forcément, vous les femmes, généralement, lorsque vous avez des sécheresses vaginales, c'est un vide de rein. C'est intéressant tout ça, n'est-ce pas? Donc, lorsque l'enfant il est à l'intérieur de maman, forcément, il te tâte via un cordon ombilical, on est d'accord? La qualité est transmise par rapport à quel organe? Quel organe? La rate. Elle le sait aussi, c'est mon élève. C'est la rate. D'accord? Donc, messieurs, dames, vous êtes entre l'inné et l'acquis, c'est-à-dire entre l'inné du rein et l'acquis de la rate. Donc, essayez de comprendre, et vous allez vite comprendre, que lorsqu'on vieillit et qu'on commence à avoir des problèmes de locomotion, regardez Jacques Chirac, dès que j'ai vu la télévision, je savais que c'était un vide de rein. Et bien ça, vous avez vu, Jacques Chirac, des problèmes d'audition, si vous n'avez pas remarqué. Et il n'a pas des problèmes de mémoire, où lui on dit qu'il avait fait un Alzheimer. Okay? C'est tellement facile de mettre les gens dans l'Alzheimer. Mais messieurs, dames, quand il y a un début d'Alzheimer, je traite la qualité du rein. Hein? Et en traitant la qualité du rein, je vais traiter la qualité des moelles cérébrales. Est-ce que ça vous parle? Ok?
voyez, ça va très très loin, d'accord? Donc, la colonne vertébrale se fait par rapport au rein. On est d'accord? Et la rate, forcément, je vous l'ai dit, par rapport à l'inné. Donc, les méridiens, donc, sont des canaux, d'accord, au circuit du sang des liquides organiques, comme je vous l'ai dit. Vous avez les organes, et sans méridiens, vous ne seriez pas là, parce que forcément, les organes se font à partir des méridiens. Donc, c'est pas étonnant que si vous avez un dérèglement de la rate et que vous venez dans mon cabinet en disant « j'ai un problème de genou », ben, je vous dis « oui, effectivement, c'est un problème de rate ». Alors forcément, les jeunes disent « ma rate ». Ben oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, comme on a très peu de temps, mon essai avec Grégory, hein, bien sûr, qui a fait une excellente conférence ce matin, on va essayer de faire vraiment une très grande conférence tous les deux, parce que je vous remercie, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations, d'accord? Donc, les méridiens, les structures, les fonctions. Vous avez la colonne vertébrale, vous avez la colonne vertébrale, d'accord? Et au niveau de la colonne vertébrale, vous avez des espaces. Au niveau du Japon, ces relations s'appellent des yuketsu, ce sont les zones métamériques vertébrales. Ça veut dire que, au niveau embryogenèse, il va se former une fonction métamérique. C'est-à-dire que, mettons, je vous l'expliquais, la L2, L3, c'est le rein. D'ailleurs, Florian, qui est payé, puisque c'est mon guest poseur, Florian, tu prends donc les yuketsu en dessous. Et vous expliquez donc les zones métamériques. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on arrive à faire le diagnostic. La D3, c'est le poumon. La D4, c'est le maître-cœur. La D5, c'est le cœur. Après, la D12, la D11. La D12, c'est l'estomac. La D11, c'est la rate. Vous voyez, chaque zone est liée à une zone métamérique. Et oui, donc tu montres à ces braves gens. Voilà, regardez, hein, il est fort. Donc ça s'appelle les yuketsu, d'accord? Donc dans le corps humain, on a 12 paires de méridiens bilatéraux, on a 361 sumo. Les gens souvent confondent, même en shiatsu, les tsubo qu'on appelle les keketsu et les méridiens qu'on appelle les karaku. Donc les méridiens, karaku ça veut dire verticalité, horizontalité, ça fait un peu comme un treillis, vous voyez ce que je veux dire? Et le sang, forcément, est relié par rapport au ki. Ça veut dire, mesdames, que si vous avez un problème, limite de faire une fausse couche, je vais traiter la qualité de la rate et je vais éviter une fausse couche. Ça m'est arrivé, d'ailleurs. Mon cher fils le sait, plus ou moins, parce qu'on allait tout droit dedans. Mais c'est pas étonnant qu'après Florian, quand elle est venue au monde, et ben elle avait des problèmes de genoux puis tombait. Alors on a dit que c'était neurologique. Ben non, c'était la rate. Vous avez compris ça? Hein? Donc, regardez bien. Donc, les organes internes que vous connaissez, d'accord? Et les corps vertébraux. Donc, là vous voyez un peu tous les méridiens selon Masunaga. Et là ça devient beaucoup plus compliqué. Et même pour moi c'était très compliqué. C'est que selon Masunaga Shizuto, qui était un grand maître au Japon, les méridiens sont incomplets. Ça veut dire que devant une pléiade d'experts en médecine extra-orientale, il a dit, tenez-vous bien, et là ça va faire mal, qu'on n'a plus pris en compte l'état des keketsu, c'est-à-dire des tsubo, que du keraku lui-même, c'est-à-dire du méridien. Alors au début, je vous jure, au début, j'ai plané moi aussi, hein, vous en doutez. Hein. Mais très vite j'ai compris, chère madame. Parce que le côlon, dans les textes anciens, il commence ici. Et il va forcément au niveau de l'épaule, et il passe ici. Ça veut dire que si je traite une périarthrite de l'épaule, et ben je traite le côlon. Ça m'est arrivé de dire à une personne, ben vous êtes constipé, c'est pour ça que vous avez mal à l'épaule. C'est vrai. Donc la personne a plus mal à l'épaule, derrière t'es plus constipé. Donc, selon Masunaga,
Le colon passe également dans la sacro-iliaque. Ça veut dire que quand je vois un patient qui est bloqué de l'iliaque, généralement, en ostéo, bien sûr, on va traiter forcément la relation osteo-articulaire de l'iliaque. Hein, vous êtes d'accord? Je suis bloqué de l'iliaque, donc on va faire un travail précis, d'accord, avec des lois précises, Wilfriette, Magoun, j'en passais des meilleurs. Mais forcément, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'effectivement, si la personne ne va pas au WC pendant 4-5 jours, c'est le côlon qui est spasmé et qui crée le problème, forcément, de la vertèbre. Donc je vais d'abord débloquer la vertèbre, d'accord? Mais avant tout, je vais débloquer le côlon, d'accord, pour détendre la vertèbre. Mais c'est plus compliqué. La personne me dit, je fais 15 fois pipi. Mon côlon est sec, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire par rapport au côlon? Je vais d'abord nourrir la qualité du rein, qui elle-même va nourrir les disques intervertébraux. Eh oui, ça va loin. Hein? Et ensuite, je vais m'occuper, forcément, de la relation sigmoïdaire et remettre en état tout système. Est-ce que ça va ou est-ce que ça fume? Comme disent mes patients, ouais, mais vous êtes dedans, vous. Hein. Donc, mais vous comprenez mieux, messieurs, dames, donc la relation qu'on peut avoir un problème de genou et avoir un problème d'orate. Vous avez compris ça? Oui ou non? L'exemple que je vois le plus souvent sur les enfants et même sur les adultes d'ailleurs, les gens qui marchent comme ça. Vous connaissez ça? Ça s'appelle un genu valgum. Vous connaissez le genu valgum? Principalement, je vais traiter la rate, le rein, et débloquer la vésicule biliaire. Vous savez pourquoi la vésicule biliaire, messieurs, dames? Elle est là, la vésicule biliaire, on est d'accord. Quand je fais le diagnostic, qu'on appelle Fukushin, que je vais vous montrer après, donc mon petit Florian sera là, il est très heureux d'ailleurs d'être là, eh bien, je dis à la personne, généralement, bah, c'est pas étonnant que vous ayez des problèmes de hanche parce que vous êtes bloqué de la vésicule biliaire. Donc ça, vous le comprenez, ça. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mettons mon Florian, là, vous voyez, il a des problèmes d'épaule. Il a un problème de rotation d'épaule. D'accord? Mais vous savez pourquoi? Parce que, d'ailleurs, on peut le dire, Florian. C'est-à-dire que bah, quand il va faire forcément ses selles, il entre diarrhée, constipation. Donc j'ai parfaitement compris qu'il y avait un problème d'intestin grêle, forcément, qui passait au niveau de l'épaule. Donc la rotation externe qui est bloquée, vous m'entendez bien, c'est le tendino-musculaire de l'intestin grêle méridien. Ça c'est facile. D'accord? Il y a des choses beaucoup plus complexes, bien sûr. Récemment, j'ai eu une dame qui a eu une prosopoplégie. Vous savez ce que c'est, ça? Ça s'appelle une paralysie faciale. Et en fait, cette dame-là, elle était paralysée faciale parce qu'elle mangeait trop vite. Alors forcément, cette charmante enfant, elle va me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est normal. Et bien simplement, regardez bien. C'est pour ça que j'aime bien donner à chaque coup la pratique, parce que pour vous compreniez, parce que là, forcément, on n'a quand même pas beaucoup de temps. Hein. Donc, l'estomac passant ici, d'accord, dans l'axe du méridien, forcément, elle est débloquée. Vous comprenez très bien, quand j'ai débloqué le méridien et que j'ai travaillé sur la région intracrânienne, automatiquement, elle n'est plus paralysée. Elle est heureuse. Hein. Au niveau du carpien, il y a beaucoup de gens qui sont opérés du carpien. Il y a combien, là? Le canal carpien, vous avez remarqué, messieurs, dames, vous avez un problème de préhension. D'accord? Vous avez la partie radiale qui ne répond plus. Vous l'avez remarqué, ça? La partie radiale, elle est là. D'accord? Vous avez remarqué que la partie fléchisseur-extenseur ne se fait plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous l'avez remarqué, ça? Donc, qu'est-ce qu'on va traiter? Principalement, le poumon. Eh oui, messieurs, dames, le poumon, il est où, le poumon? Alors, Florian va se mettre debout, il va vous l'expliquer parce qu'il est fort. On peut l'applaudir, hein, quand même. Hein. De toute façon, je me méfie parce qu'il a commencé à faire ses premières manipulations vertébrales cervicales à 3 ans, la maternelle.
plaide un peu. Quand c'est plus simple. Il est un peu humide, c'est pour ça. Donc, regardez le poumon. Le poumon dans l'axe du méridien, il passe ici. Ok ? Donc, le méridien poumon passant ici, moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait un problème au niveau d'appréhension. Ok ? Ici, il y a une tension énorme. Regardez bien par rapport à l'axe du méridien, à partir que le diagnostic est comme ça. D'accord ? Parce que ce n'est pas parce que madame c'est ça que madame c'est pareil. Ça, c'est du grand n'importe quoi, d'accord ? Les Japonais, ils ont horreur de ça. Ils disent « non diagnostic, non traitement ». C'est pour ça qu'ils ne sont pas très contents de l'Occident. Vous en doutez. Donc, le maître cœur est au milieu. Le maître cœur, c'est le protecteur du cœur. Et un méridien bloqué peut jouer directement sur la partie structurelle en elle-même. Donc, messieurs, dames, j'ai une bonne nouvelle. Le canal carpien, c'est mon dessert. D'accord ? Donc je traite des choses beaucoup plus graves. D'accord ? C'est pour ça que je préfère donner vraiment des bonnes relations. Les problèmes cardiaques. Les problèmes de cardiaques pour les Japonais. Si on traite toute la relation du méridien de la vessie et en débloquant ce qu'on appelle les yuketsu, c'est-à-dire au niveau des apophyses vertébrales que vous voyez ici, on traite 80% des problèmes de cœur. D'accord ? Seulement, quelquefois, c'est plus difficile que ça. Un jour, j'ai une dame qui est venue me voir avec un problème de cœur. On devait lui mettre un stent. Vous savez ce que c'est un stent ? Un stent, vous savez, c'est un petit ressort pour réguler. D'accord ? Eh bien, la femme, automatiquement, je l'ai traitée. On devait lui mettre un stent, donc forcément, sa fille m'a dit que c'était plutôt émotionnel, d'accord ? Et c'est quand j'ai fait le diagnostic, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un blocage de la dorsale 5 qui crée le problème de cœur. Donc j'ai débloqué la D5 et le cœur s'est mis en position. Regardez bien par rapport au métamère. Florian, tu montres le métamère par rapport à D5. Vas-y, tu montres aux gens. Allez, tu montres aux gens. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que tout ça est extrêmement sérieux. D'accord ? Il n'y a pas un patient qui vient me voir à Valentin Abeille en me disant « Monsieur Boinet, j'aimerais avoir de la relaxation ». Les gens, quand ils viennent, vous en doutez, ils sont comme ça. Ils ont des névragies cervico-brachiales, ils ont des périarthrites scapulites rétractives, c'est quelque chose. Des choses beaucoup plus complexes, puisque j'ai eu des cas de sclérose en plaques. Donc, on peut, comme disait Masunaga, et je me rends compte de plus en plus, au bout de 15 ans déjà de pratique, je me rends compte qu'on peut traiter beaucoup, beaucoup de problèmes. D'accord ? Donc, d'ailleurs, vous avez mes flyers, donc vous voyez très bien qu'on peut traiter beaucoup de problèmes. Si vous avez déjà des questions à me poser, il y a des questions ? La dame me demande, bah oui, forcément, question pertinente, quelqu'un qui a une sclérose en plaque. J'ai remarqué généralement, lorsqu'il y a une sclérose en plaques, il y a un déséquilibre des liquides organiques. En clair, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais traiter la qualité du rein. Puisque le rein, forcément, est le miroir des os et automatiquement va nourrir le système ostéo-articulaire. D'accord ? Je vais traiter la qualité de la rate généralement, puisque la rate, c'est la qualité du sang. Je l'ai marqué dans les sclérose en plaques, les pauvres gens, généralement, ils ont du mal à marcher, donc ils sont bloqués, plus ou moins des rotateurs. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, je ne vous fais pas de dessin, vous comprenez parfaitement. Ici, vous êtes dans vésicule biliaire. Ici. Ok ? Donc, je traite le rein, la rate, la vésicule biliaire, je remets en situation physiologique. Et c'est vrai que j'ai vu des gens qui, bien sûr, après mon travail, marcher. Donc ça, c'est une grande...
Hein. J'ai traité également des débuts d'Alzheimer. Parce que quand on a un Alzheimer au début, forcément, on a, je ne sais pas si vous le savez, au niveau ostéopathie, on a un MRP, c'est-à-dire un mouvement respiratoire primaire intracrânien. Il y a une raréfaction forcément du MRP, d'accord ? Et c'est en traitant forcément le rein que je vais nourrir directement les moelles cérébrales. D'accord ? On dit que le cerveau est la mère des moelles qui sont nourries par la qualité du rein. Donc vous comprenez aisément que lorsque l'on vieillit, c'est comme ça. Pas tous, bien sûr. Eh bien, les gens perdent la mémoire. Vous le voyez très bien. Hein ? Et la mémoire, maintenant, vous savez, c'est la qualité du rein. D'accord ? Donc c'est l'inné de la personne qui va se casser la figure progressivement. Et comme on dit généralement, ben c'est comme ça, c'est la vie. Lorsque le yin-yang rénal est épuisé, c'est la mort. D'accord ? Donc il faut mieux préserver tout ça. Hein ? Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi dans notre vie. Et comme je dis aux gens, notre vie, c'est un peu comme une bougie. Et si on fait attention, ben forcément on ira loin. Si on ne fait pas attention, ça va descendre. C'est pour ça que je suis honnête avec vous. Lorsque je vois des gens bien intentionnés se mettre en condition physique avec un métabolisme basal rapide, je vois souvent des femmes faire du cardio à tout va en disant « c'est bon, ça me fait du bien » et elles transpirent énormément. À la fin, elles disent « forcément, c'est bénéfique pour elles ». Ben non, pas du tout. Elles vont directement vider leur système, elles vont faire de l'ostéoporose, et derrière, tenez-vous bien, l'ostéoporose, c'est la qualité du rein. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc, on ne fait pas n'importe quoi sur les patients, comme on ne fait pas n'importe quoi dans le club. C'est pareil. On doit vraiment être aguerri de tout ça. Moi, là-dessus, forcément, vous en doutez, j'ai été très très près pendant des années, parce que j'ai quand même 40 ans de pratique et d'expérience. Hein. Donc, vous commencez mieux à comprendre toute cette relation. Une névralgie cervico-brachiale, vous connaissez quand vous avez une névralgie cervico-brachiale avec une périarthrite de l'épaule, vous ne pouvez pas aller en arrière. Eh bien, messieurs, dames, il faudra traiter la vésicule biliaire qui passe ici. D'accord ? En traitant la vésicule biliaire, forcément, je traite l'épaule. Ça vous paraît pas facile à comprendre ? Voilà. Pas facile. Hein ? Donc, vous voyez, donc, au niveau du diagnostic, au niveau de l'ostéo-katsudo, puisque c'est la synthèse du shiatsu médical traditionnel japonais, comme je l'ai dit, yoka, yekoro, où je suis allé à fond dedans. Je l'ai formé par un grand maître, je vous l'ai dit, et l'ostéopathie. Donc, mon Florian, il est où ? Il est où ? Il est où, Florian ? Là, tu viens ? Donc, je vais vous montrer très vite. Parce que c'est bien quand même de comprendre. Au niveau donc du diagnostic, forcément, Florian, tu te mets sur le dos. Sur le dos. Ouais. Voilà, regardez bien, parce que ça vous permet de mieux comprendre. Je me sers forcément du diagnostic à l'occidental, forcément, vous en doutez. Pour regarder l'état des fléchisseurs, l'état, forcément, alors ce qu'on appelle les ischio-jambiers, fléchisseurs de cuisse sur le bassin que je vois malheureusement pas assez, qu'on appelle le psoas iliac, et la rotation externe, effectivement. Si j'ai un patient qui a un blocage fléchisseur, rotation externe bloquée, généralement je sais que c'est rate vésicule biliaire. Si je traite la rate ici, forcément, qui passe ici, automatiquement, je vais débloquer en même temps le psoas profond, qui n'aime pas tellement, vous voyez. Je vais le débloquer et automatiquement, je vais remettre une situation physiologique. C'est pour ça que, messieurs, dames, si vous comprenez bien, c'est que quand on a des problèmes vertébraux sur les quatre piliers lombaires, vous êtes d'accord, c'est pas de mettre de l'huile et puis de la belle musique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'abord de traiter le psoas, qui est fléchisseur de cuisse sur le bassin, et qui crée le problème des piliers lombaires. Est-ce que je me fais comprendre? Ça fait 4 patients qui me disent, ça fait 4 ans, on regarde mon dos, j'ai mal ici, mais on me dit que c'est psychologique. Ouais, c'est gentil, non, c'est pas psychologique, c'est le psoas.
Le psoas, c'est la poubelle du corps humain, mais c'est un muscle vital. Vous le maintenez beaucoup. Le psoas va créer un encrassement, d'accord, et il repose sur la nymphe du côlon. C'est pour ça que les Japonais disent qu'on est des sakatata. On est des sakatata parce que pour eux, si on ne fait pas trois selles presque couleur d'omelette, eh ben, on est des sakatata, on est restrictif. Donc automatiquement, on aura des problèmes forcément fléchisseurs. Ok ? Donc fléchisseur et ici. Donc Florian, tu te mets en César, s'il te plaît. Donc vous voyez, je vous montre très très vite, hein, parce que c'est pas facile. Donc tu te mets là. Au Japon, ça va arrêter de discuter. On fait ce qu'on appelle aikoshin. Aikoshin, c'est-à-dire que je fais un pas de patois. Ça m'est arrivé de dire à la patiente, vous fumez beaucoup. Elle me dit, ah bon, comment vous voyez? Ben, je vois dans votre dos. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai compris qu'il y avait un dérèglement de la D3 qui est lié au métamère du poumon. Après, elle me dit, ah oui, effectivement, oui, c'est vrai, oui, vous avez raison. Et je commence à faire un palpatoire, et voilà. Maître Masunaga, au Japon, avait traité une dame, il lui avait dit, vraiment, vous mangez trop vite, c'est pas étonnant que vous ayez des problèmes de genoux. Vous comprenez? Parce que simplement, l'estomac passe au niveau du genou. Eh oui, regardez bien, par rapport au méridien, c'est bien lié. Donc, ce diagnostic, ici, s'appelle aikoshin. Lorsque Florian se met sur le dos, je me mets comme ça près de lui. Et généralement, bon, je déshabille la personne parce que j'aime bien quand même travailler sur le plan anatomique. Je fais le diagnostic calmement. Et comme disait Masunaga, il faut le faire tranquillement. Et là, je vais avoir une résonance, c'est-à-dire que si je donne un exemple, si Florian, mettons, avait un problème de genou et de hanche, je verrai un vide d'oracle, donc je le verrai très vite. Ça s'appelle au Japon un kyo. Le kyo, c'est la déficience, d'accord? Ici, la vésicule biliaire. On dit au Japon jitsu, c'est-à-dire un pléthore, c'est-à-dire quelque chose de tendu. À partir de là, je vais traiter directement le méridien de la rate. Donc, je vais vous le montrer d'autre côté pour que vous compreniez. Je vais traiter le méridien de la rate ici. Donc je vais commencer ici, je vais traiter le méridien de la rate, je vais débloquer cette région-là que vous comprenez que j'en aime pas, je vous ai dit. Et dès que j'ai traité le méridien de la rate, je vais m'occuper forcément de toute la région. Et à partir de là, je vais mobiliser, je vais remettre en situation en poussant directement, et je vais remettre la situation en ostéo-articulaire. Vous comprenez un peu mieux? C'est pas magique. C'est avant tout la compréhension de la physiopathologie. Parce que mes patients, ils sont adorables et ils me disent « Ah vraiment, vous avez un don ?» Ah oui, mais j'ai surtout un don, c'est que j'ai beaucoup appris. Ça ne peut pas s'apprendre en 48 heures chrono. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien remettre les choses en place. On est sur quelque chose de sérieux. D'accord? J'ai traité un patient, gentil comme tout, il avait une lithiase biliaire, il est ici, il va se reconnaître. On devait lui retirer la vésicule biliaire. Eh bien, j'ai traité ce brave patient qui est un ami que j'aime beaucoup, avec sa charmante femme. Eh bien, ce brave homme, il n'a plus rien. Il était heureux, je peux vous dire. Hein. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai pas fait semblant. Par contre, je suis honnête, il a senti mes mains pendant 4 jours. Vous en doutez un petit peu. D'accord? Donc on ne fait pas les choses à moitié. D'accord? Autre chose, bien sûr, qui m'a beaucoup touché par rapport à Florian, je parle de Florian parce que déjà, lui, c'est une pathologie sur pattes. Non, je blague parce qu'il va quand même très bien. Florian fait des otites. Vous connaissez les otites? Les otites séreuses, hein, et pas les otites sérieuses. Donc, les otites séreuses, principalement, c'est quoi, d'après vous? Vous vous rappelez, Grégory, qu'est-ce qu'il nous a dit ce matin? Il vous a dit ce matin qu'il fallait s'abstenir de prendre du lait de vache. Ça crée quoi? Des purines. Ça crée des mucosités, des obstructions. Donc, messieurs, dames, c'est vrai, l'otite de l'enfant, généralement, c'est l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle, vous comprenez très bien que quand je fais le diagnostic,
je vais trouver tendu ici. Donc vous allez me dire, bah oui, mais je vois pas ce que ça vient faire avec les oreilles. Vous êtes d'accord? Eh bien, je donne la réponse. L'intestin grêle méridien, il commence ici. Il commence ici. Regardez bien. Il va nager ici. Alors là, messieurs, dames, les tendinites, comme vous dites, alors c'est des épicondylites, on est dedans. Et l'intestin grêle, forcément, va rentrer au niveau de la partie sous-épineuse de l'omoplate et aller dans le tragus de l'oreille. Donc vous comprenez que si je traite l'intestin grêle, je traite l'otite de Florian. C'est ce que j'ai fait, d'accord? Et comme mon Florian, forcément, faisait encore des problèmes d'énurésie, eh ben j'ai compris que c'était le vide du rein qui faisait que l'oreille n'était pas nourrie. Et mon Florian ne fait plus d'otite. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal quand même. Mais il était content. Hein. Et les amygdalites chaudes, vous connaissez les amygdalites, les amygdales, d'accord? J'avais traité Florian de l'estomac. L'estomac, forcément, passe ici. Et en traitant la partie, forcément, méridien, et aussi lymphoïde ici, au niveau aussi cervical qui est en compression, j'ai remis, parce que forcément, les cervicales en compression créent une tension des amygdales. Après, j'ai fait un travail à l'arrière au niveau du palatin, j'ai fait un travail très profond sur mon Florian, parce que mon fils l'aime infiniment, vous l'avez compris, et mon Florian est complètement guéri. Hein? Donc, vous voyez, c'est extrêmement sérieux. Hein? Je ne fais pas les choses à moitié, la plupart de mes patients le savent, je les remercie de leur confiance, et c'est comme ça qu'on avance, c'est ce que je dis souvent aux gens. Donc, on peut traiter beaucoup de choses, des colopathies fonctionnelles, j'ai eu des maladies Crohn, hein? Je pense que vous savez ce que c'est du sang, quelquefois au niveau du côlon, d'accord? Mais vous voyez que le diagnostic qu'on appelle donc Ekochin, Fukuchin, et ici qu'on appelle Bunchin, d'accord? Ça m'est arrivé, j'étais encore à Longueville, parce que j'étais pendant 10 ans à Longueville. La dame est venue avec des problèmes de genoux. Elle a été très surprise, comme je lui ai dit. Vos selles sont mauvaises, je lui ai dit comme ça. Elle me dit, comment vous le voyez? Ben, sur vos lèvres. Effectivement, elle était en diarrhée. Et je l'ai vue directement sur ses lèvres, qui étaient blanchâtres. D'accord? Donc la qualité de la rate se mit sur les lèvres, et c'est pour ça qu'elle avait des problèmes de genoux. Est-ce que vous commencez à comprendre tout ça? Ou est-ce que mes chers patients me disent souvent, vous êtes sur notre planète? Voilà. Ça avance? Parce que j'ai besoin d'élèves. Hein. Donc, voyez, donc on peut traiter beaucoup de choses. Ah ouais, ton épaule, je t'en ai parlé, c'est l'intestin grêle, ça je te l'ai dit. Parce que Florian, forcément, quand il y a des problèmes d'épaule, il voudrait que je le traite. Mais je lui dis, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc, voyez, la complexité par rapport aux méridiens. Donc, je redis bien les choses, que les méridiens sont extrêmement importants et que Masunaga, étant donné que la chiropraxie était arrivée au Japon, il a dit, au niveau de la chiropraxie, on va remettre une vertèbre qui est en lésion, forcément, on va la remettre dans son axe, on va la remettre dans son rail, d'accord? Mais on ne se préoccupe pas de la relation kyojitsu des méridiens. Et je donne un exemple flagrant, je vous donne mon exemple, malheureusement. J'avais un lumbago, donc c'est rien du tout un lumbago, hein, vous savez très bien, messieurs, dames. Hein. Et je passais mon deuxième dan en karaté, j'étais optimum. J'ai vu un médecin vertébrothérapeute ostéopathe qui m'a dit, c'est rien, il m'a mis en arrière, il m'a fait craquer au niveau du bas du dos. J'étais hyper heureux, je bougeais complètement. Deux jours après, je m'écroulais. Deux mois après, je passais directement dans l'IRM. Hernie discale déclarée avec fissure longitudinale dans le disque. J'étais content. Hein. Je devenais pratiquement handicapé. Et c'est là que j'ai rencontré après Sasaki, qui m'a fait comprendre la notion du kyo. Ça veut dire que j'avais un vide de rein, je devais être très fatigué. Mes disques intervertébraux n'étant pas nourris, le gars, il m'a traité sur une déficience, il m'a tout pété. Donc, c'est pas le but d'un thérapeute. Si vous venez me voir, c'est pas
pour justement que je fasse des trucs comme ça. Donc pour votre gouverne personnelle, je suis à 20 000 consultations. Je suis même très étonné moi-même. Les gens viennent me voir de la Russie, du Congo, puisque ça fait un mois que je traitais le maire de Brazzaville, qui avait un problème d'épaule. Et il veut que j'aille au Congo maintenant. Vous voyez, j'ai même une Suisse, ça fait deux jours. Donc vous voyez que c'est extrêmement sérieux. On ne fait pas les choses à la va-vite. Hein, donc le diagnostic, c'est très important. Et là-dessus, avec Grégory, c'est notre point d'orgue. D'accord ? Il vous a parlé du terrain ce matin. Eh bien, moi aussi, je travaille par rapport au terrain de la personne. Et comme disait Okuyama, il faut s'occuper du cercle vicieux. D'accord ? Okuyama Ryo traitait des problèmes cérébrovasculaires en 1935. Moi-même, je vous le promets, par rapport à Florian, je ne vois pas pourquoi je raconterais des bêtises, j'ai rendu un homme heureux parce que je l'ai évité de se faire une ablation au niveau d'une tumeur au cerveau. La tumeur au cerveau, en fait, c'est pas facile à comprendre dans la situation. Une tumeur, c'est une restriction. Vous êtes d'accord ? Une tumeur, c'est une restriction. Si vous débloquez la zone de restriction au niveau d'une boîte, forcément clos, rigide, si vous débloquez tout le système, vous allez redonner une hémodynamique, et c'est ce que j'ai fait, et la tumeur a été régressée, et ça a été vu par le professeur Cagna, par deux IRM de contrôle à la Riboisière, et ce brave homme ne s'est pas fait opérer. Là, je crois quand même que ce jour-là, je peux vous dire, j'ai fait une femme heureuse. Elle m'a même fondu en larmes, elle m'a dit, vous l'avez sauvé. Je n'ai pas sauvé, j'ai simplement compris. Ok ? Donc pourquoi ? Parce que ce brave homme, alors, je vous parle là ici, vous êtes dans le méridien vessie, messieurs, dames. Le méridien vessie est relié au système nerveux autonome. Vessie commence ici, passe au niveau de la zone occipitale et va nager directement vers le bas. D'accord ? Ça veut dire, messieurs, dames, que la première chose qu'il faut faire lorsqu'on vous traite, c'est traiter le système nerveux autonome sympathique et parasympathique. Vous le comprenez, hein ? J'ai un problème de cœur, oui, mais peut-être que c'est le système nerveux autonome qui est tellement bloqué automatiquement, sympathique, que ça empêche le parasympathique. Mesdames, vous êtes les premières, j'ai fait tous les régimes et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que le système viscérotonique, il est lié directement à la régulation du système parasympathique. D'accord ? Donc vous comprenez très bien que si je traite le système nerveux autonome, déjà, le système végétatif et tout ça, ça va aller beaucoup mieux. Vous comprenez parfaitement. Hein ? Donc, première chose, c'est pour ça que les Japonais disent toujours qu'il faut traiter Boko no Senaka, c'est-à-dire le méridien de la vessie. D'accord ? Mesdames, quand vous avez... Ça arrive quelquefois, des jambes en poteau, infiltrées d'eau, d'accord ? C'est pas de vous mettre des bas de contention, hein ? On est bien d'accord ? Ça fait rire beaucoup aussi les maîtres japonais. Ils nous prennent... Il faut traiter le système nerveux autonome et traiter le méridien de la vessie, parce que vessie, c'est bien l'eau, on est bien d'accord ? Donc il y a une constriction, et j'ai des dames qui m'ont dit « Oh, ce Guané, depuis que vous m'avez traité, les jambes, elles ont complètement désenflé. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais quelquefois, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'une personne est venue me voir, une petite femme, elle est rentrée, j'étais encore à Longueville, dans un état, je ne vous dis pas, elle est de Roissy-en-Brie, ouais, pour donner, elle est de Roissy-en-Brie, elle était brisée, il faut quand même le dire, elle avait une hernie avec une cruralgie, il paraît que j'étais son dernier recours, vous savez. Quand on vous dit ça, c'est quand même lourd, et c'est de plus en plus. Vous êtes mon dernier espoir, vous êtes mon dernier recours, ça n'arrête pas. Et quelquefois, c'est pas facile, hein, c'est très bien. Hein. Donc, cette charmante enfant, donc cette charmante femme, Edwige, quand elle est rentrée, son papa est venu de l'autre côté, il pleurait presque, et je l'ai regardé, je vous jure, je ne l'ai pas palpé, j'ai regardé, tu me connais Adrien, j'ai fait, elle est kyocho. Kyocho, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diagnostic direct était en déficience. Elle était en parasympathique.
Est-ce que vous manipulez quelqu'un qui est en parasympathique? Est-ce que vous manipulez quelqu'un qui est en déficience? Non. Donc je ne l'ai pas manipulé. J'ai mis, on ne peut pas le mettre là parce que vous comprenez, j'ai mis la personne en latéralité et j'ai fait tout le méridien de la vessie d'ici jusqu'en bas. D'accord? Après, je me suis occupé de la partie forcément crurale, rotateur. Je vous le jure, et ça c'était beau, ça faisait 7 mois qu'elle ne pouvait plus rien faire. Florian est là pour vous le dire, parce que lui, Florian, ça ne lui fait plus rien. Et la petite qui est rentrée dans un état pas possible, d'ailleurs une fois j'ai même fait une photo d'ailleurs et un film, et Florian il l'a vu avant et après, avec des cannes et puis ressortir sans cannes, et bien cette femme, elle est sortie directement en marchant devant son père. Son père, il a pleuré. Quand vous voyez 7 mois, vous voyez un patient qui ne bouge plus du tout, et derrière, là, automatiquement, ça amène. Hein. D'accord? Donc vous comprenez très bien qu'il faut comprendre, est-ce que la personne est en sympathique ou en parasympathique? Vous comprenez ça maintenant? Si une personne vient me dire, je fais des sciatiques à répétition, ça peut être un blocage forcément au niveau iliaque, sacrum. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais manque de chance, ça peut être un vide de rein qui crée le problème de la sciatique. Et mesdames, là-dessus, vous êtes les premières. Avec quoi, d'après vous? Et je suis contre, vous êtes d'accord? Puisque forcément, il suffit de bien respirer et ça marche tout seul. La péridurale. La péridurale, mesdames, quand vous avez eu votre poupounou, on vous la met où, la péridurale? On la met au niveau de la L2. La L2, c'est lié à quoi? Au métamère du rein. Donc vous comprenez parfaitement que si forcément on fait une péridurale au niveau du rein, on va directement tout baisser et la personne fera une sciatique à répétition. Vous connaissez le spondylolisthésis aussi? C'est un glissement des vertèbres basses. D'accord? Et bien, je suis tombé sur une femme qui a fait un spondylolisthésis après avoir perdu son frère, d'accord? C'était très violent, qui avait pris un couteau dans un taxi, d'accord? Donc c'est quand même très violent. Et bien là, c'est le feu du cœur qui a embrasé le rein. En clair, ça veut dire que comme le feu du cœur, comme il y a eu un trouble de l'esprit automatiquement, l'esprit a tellement été de l'autre côté que le rein a été en déficience. Et comme le rein est le noir des os, il y a eu un glissement des vertèbres basses, d'accord? Donc j'ai renourri le rein, d'accord? J'ai débloqué forcément par rapport au cœur et à tout ce système psycho-émotionnel. Et elle ne s'est jamais fait opérer. On devait lui mettre une arthrodèse, c'est ça? Un arthrodèse. Donc vous voyez, l'étendue, elle est énorme, hein, vous comprenez parfaitement. L'étendue, elle est énorme. Comme disent souvent mes patients, de toute façon, vous vous arrêtez sur rien. C'est vrai. Je m'arrête sur rien maintenant. Je traite des choses très graves. Florian, il est là pour vous le dire. Même des bébés qui étaient condamnés par des Necker. Et ça, croyez-moi, ça fait plaisir. Quand vous avez un gamin qui, soi-disant, ne marchera jamais, vous le sortez. Ça fait quand même plaisir. Hein, j'ai traité des torticolymogènes congénitaux. J'ai traité des hémiplégies. Voilà. Donc, là, on ne s'est pas ennuyé. S'il y a des questions à me poser, me fera un grand plaisir. À moins que vous sachiez tout, hein. Ben, les femmes, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Les acouphènes. Elle dit les acouphènes. Alors, je suis honnête avec vous. Les acouphènes, quelquefois, j'ai des résultats, je suis honnête. Quelquefois, j'en ai pas. Les acouphènes, Dominique, tu le sais, généralement, c'est une obstruction. Tu sais très bien que c'est une pénétration de chaleur, d'accord, hein, au niveau du tragus, hein, tu te rappelles, au niveau de la partie condylienne de l'oreille. Généralement, je traite l'intestin grêle. Mais on peut faire des acouphènes avec un vide de rein, puisque forcément, le rein ne va pas nourrir les oreilles. Vous voyez, c'est pas évident. Comme j'ai dit à Dominique, qui est mon ami, on ne peut pas faire les choses comme ça, bêtement. Hein. Dominique, elle m'a fait des choses quand même extrêmement graves au niveau poumon.
Tu te rappelles, il fallait traiter les cervicaux dorsales pour débloquer tout le système. Hein. Forcément, quand je vois des pauvres gosses qui sont asthmatiques, qui sont bloqués des cervicaux dorsales et qu'on leur met de la ventoline, ça me fait un peu pitié quand même. Hein. Donc voilà, j'ai répondu à votre question, madame. D'autres questions ? Ben, vous savez tout ? Vous avez tout compris, là ? Elle me demande en combien de séances ? Selon la gravité du problème. Alors, là, je vais vous dire une chose, parce que c'est une belle histoire, et ça s'est fait en une séance. Florian, il est là pour vous le dire. On m'a appelé en urgence pour un monsieur. Alors là, ça va faire drôle. Hein. On devait le transplanter. Oh, ça fait mal. Au niveau cardiaque, on devait le transplanter. Eh oui, monsieur. Et monsieur, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars ? Les hommes, généralement, ils sont bloqués dans leur certitude. Hein. Donc, effectivement, ce monsieur de Mormant, vous devez connaître, il m'a été amené en urgence. D'ailleurs, tiens, Dominique est là, justement, puisque son ami, hein, justement, elle est bien là pour vous le dire, son ami, forcément, qui est une esthéticienne, a dit, est-ce que Jean-Marc peut faire quelque chose ? Même mon ex m'avait dit, mais je vois pas ce que tu peux faire là-dessus, vous vous rendez compte ? Transplantation cardiaque. C'est-à-dire que ce brave homme, on attendait un donneur compatible. On est d'accord, quand vous avez un problème de cœur, à un moment, on est chez Midas, eh ben, on change le cœur, ça marche tout seul. C'est vrai, c'est pas vrai. Je vous passe historique. Monsieur, ce monsieur arrive, je fais le diagnostic. Direct, c'était pas le cœur. C'était pas le cœur. Alors là, je vois des gens là qui me regardent en disant. Donc c'était quoi alors ? Parce que j'aime bien le demander, parce que pour moi, vous êtes des gens, voilà, c'est-à-dire, alors il y en a qui m'ont dit le poumon, bien sûr, les premières bêtises, c'est pas très grave, ça arrive, ça arrive. Une femme n'a pas de cerveau poussé, bon voilà. Mais une femme est intuitive, une femme est intuitive. Donc effectivement, c'était pas le poumon, donc qu'est-ce qu'il faut au cœur pour circuler ? Du... Il faut une quantité ou une qualité ? Une qualité. Manque de chance, c'est faux, une quantité. Attention, ça va faire mal, parce que là, le diagnostic, il fait mal. Hein. Donc, c'était une quantité, d'accord ? Donc, qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça ? C'est la rate. C'était quoi ? La rate. La rate. Manque de chance, c'est la qualité. Donc, la quantité, c'est lié à quoi ? Au ? Au rein ? Pas du tout. Au ? Au foie, c'est mieux. Les vésicules. Au foie. Parce que dans les lois des cinq mouvements, le foie c'est le bois, le feu c'est le cœur, donc il faut du bois pour nourrir le feu. D'accord ? Ça c'est pas facile, hein. ça s'appelle Wuxing. C'est les cinq mouvements. Ah bah oui, c'est pas facile, hein. il faut apprendre. Donc effectivement, c'était le foie. Donc le foie il était comment ? Il était engorgé, le foie. Il était engorgé. Il était en vide. Elle a essayé, hein. Elle reviendra pour la deuxième semaine. Donc, ah oui, là, ça devient difficile. Là, la dame, elle fronce ses sourcils, elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Donc, chère madame, donc, mesdames, parce que généralement, c'est les femmes, elles trouvent. Donc, c'était donc un vide. Un vide de quoi ? Non, j'ai dit, c'est le foie, c'est pas le rein. Oh. C'était un vide de quoi ? Un vide de sang. C'était pas un vide de sang. Alors attention, ça va faire mal. Et pour finir le dimanche, ça va être bien. C'était pas un vide de sang. C'était pas un vide de yin, un vide de yang. Parce que forcément, le yin, c'est pas le bon, le mauvais. Le yin, c'est le froid. Et la montée de chaleur, c'est le yang, d'accord ? C'est-à-dire qu'un vasculaire peut être une montée du yang du foie. Donc c'était le foie, effectivement. C'était un vide. Mais c'était un vide de quoi ? Et là, ça fait mal. Et heureusement que j'ai compris. Un vide de qui ? Alors souvent, les gens me disent, ah oui, le qi, le chi, hein. Le qi, c'est l'énergie. Oui,
Oui et non. Parce que le qui a un rapport entre le matériel et forcément l'énergie. Et ça, on l'oublie un petit peu trop souvent. Hein. Donc c'est un vide de qui, effectivement. Le qui, vous prenez des notes, a des fonctions de montée, de descente, d'extériorisation et d'intériorisation. Dans les propriétés du qi, réchauffement, défense, homéostasie, propulsion. Ça vous parle pas, propulsion ? Mesdames, messieurs, dames, j'ai traité le méridien du foie directement, j'ai fait repartir le cœur. C'est pas mal pour un débutant, hein ? Donc le monsieur de Mormant ne s'est jamais fait opérer. D'ailleurs, j'ai eu un petit jeune qui est venu me voir avec une balade jusque-là. Il m'a dit, vous avez fait un truc de louf. J'étais dans la même chambre que monsieur, forcément je ne donne pas le nom, il ne s'est jamais fait transplanter. Effectivement. Donc vous vous rendez compte que, un peu comme une bobine de Fleming, un peu comme une dynamo, il suffisait de remonter la dynamo pour faire repartir le cœur. Et il y a eu une séance. Une séance. C'est pas mal hein, pour terminer tranquillement. Hein. Ça vous a plu ? Donc maintenant, messieurs, dames, ben, quand vous en parlerez, ben, vous saurez mieux. Alors, justement, là, Madame Ferrand, que j'aime beaucoup, Madame Ferrand, venez ici, Madame Ferrand. Vous pouvez l'applaudir, Madame Ferrand. Elle est adorable. Elle est adorable, j'aime beaucoup Mme Ferrand. Mme Ferrand va vous expliquer ce qu'elle avait, parce que je crois que ça, hein, il n'y a qu'elle qui peut dire. Alors, écoutez bien. Alors, je devais m'opérer d'un rein. J'ai deux butins, je n'ai jamais voulu. Et je suis venue voir M. Bonnet. Il m'a soignée pour un rein. Maintenant, ça va très bien. Ben voilà, donc c'est une... Moi je vous remercie vraiment infiniment d'être venus si nombreux, ça me touche beaucoup. Je rappelle que je suis avec mon ami Grégory qu'on applaudit encore. Pas trop parce qu'après il y a l'ego qui va tomber. Non, il n'est pas comme ça, il est comme moi. C'est un peu mon petit frère. Donc, avec Grégory, vous savez qu'on est au 9 bis rue Valentin Abeille, à l'espace, vous connaissez. Équilibre concept santé, 9 bis rue Valentin Abeille. On vous attend ce rendez-vous sur toutes les pathologies. Vous avez bien vu que nous sommes forcément en cohérence, c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire que Grégory en naturopathie, et moi forcément sur une médecine manuelle et tout ce qui jouxte autour. Donc je vous remercie sincèrement, profondément. Bon fin de dimanche, d'accord ? Et une autre personne va venir juste derrière moi. Et ceux qui veulent avoir des renseignements, je suis au stand 21 où vous pouvez me poser des questions. Je serai très heureux d'y répondre. Merci. Arigato.